Merci Ivan, camarade de la presse. Au nom du RIMEC, du RSM, l'opposition RSM elle-même, nous remercions tous d'être là. Mon camarade Diazot aujourd'hui, d'abord, hier, moi j'ai reçu un coup de téléphone du speaker. Vous demande-moi, est-ce qu'il n'est pas meilleur de faire 10 à 1 minute de silence aujourd'hui? Je vais consulter mon camarade et nous qui insister qu'il au moins il n'a PNQ parce que nous avons envie de situer la responsabilité, de faire la nation, permettre la nation écouter qui gouvernement il a pour dire ça drame. Donc, le premier point que je vais faire, c'est insister qu'il nous vient d'un parlement aujourd'hui pour soulever le problème de sa tragédie qui nous terrasse la nation mauricienne et sa bonne famille en délire. Et comme un patriote, nous, le RIMEC, nous demandons le camarade Soubon report sur manifestation aujourd'hui. Moi-même personnellement, moi je téléphone. Et je remercie lui de faire ce qu'il utilise à faire. Et évidemment, nous sommes d'accord pour postponer le projet de loi. Parce qu'il y a plein de climat. Quand aujourd'hui, il y a deux jours du deuil, nous pouvons d'apparemment, nous pouvons débattre le projet de loi quand on va reporter d'une semaine. Donc c'est un témoignage pour un hommage à sa famille endeuillée là. Nous sommes d'accord donc pour avoir un parlement. Mais nous avons assisté qu'il le PNQ ou le Supri. C'est à cause de ça, aujourd'hui donc, tu n'es pas sa PNQ. Et moi, je dis à tous, comme on l'a fait encore une fois, nous, indignation égale nos collègues. Après, ça va dire maintenant. Et ben, le point qui nous fait ressortir dans le prime, dans le PNQ, essentiellement, c'est situer ma responsabilité. D'abord, les services météo. Depuis 2008. Là, moi, je suis ça vite. Et quand je devais connaître, moi, j'ai 4-5 bases questions. Procédure parlementaire, pas le permettre de dire ce que je vais vous dire. T'as l'air, moi, vous dire ce que je vais rester vous dire. Depuis 2008, le juge Doma dit au gouvernement donne casse météo services pour y acheter tout le dernier équipement. Depuis 2008. C'est maintenant que le Premier ministre peut dire à nous il peut contacter ban Singapourien. Pour réussir donc à moderniser le système météorologique. Ce n'est pas une question why, ce n'est pas une question politique, mon camarade. Nous, on base, nous, dans le rapport qui le Premier ministre même, qui nommé, qui commandité, Fact-Finding Committee on Ex-Lola Flooding le 26 mars 2008. Et moi, je vous dis ça, Premier ministre, mais je vous dis à lui, ce rapport-là, c'est une charter, c'est une charte, c'est une roadmap. Pour disaster management dans nos pays, en particulier la question des inondations, de flooding. Le juge demande de faire tout travail là-dedans, il fait toutes recommandations là-dedans, mais depuis 2008, non, il n'y a pas de recommandations là, pas nous, pas suivi, pas implémenté. À cause de ça, qui se tutoie, moi, je cite à la longueur de la question, de ma question, ça. Rapport là, c'est une alarme belle pour qui nous empêche un désastre dans nos pays. Après qu'il y a 4 morts, après 4 décès en 2008, ça rapport là, c'est une alarme belle. C'est un warning, comme on dit, à classe 4. À n'importe qui gouvernement qui pourra pouvoir. Mais, comme le Premier ministre fait avec nous, rapport qui nous dit comment dit-il, nous, quand nous sommes au pouvoir, le land drainage. Si moi la coupure, je vous rame, vous cite un petit peu, voilà, le système des drains à Maurice, le rapport Gibbs, enfin un outil de travail. C'est un coupure journal, mon camarade, de 2003, quand nous sommes au pouvoir. Et il y a un petit encadré là. Alain Ganou, ministre des Utilités publiques, informer le public de l'ampleur du travail. Le gouvernement a tenu à rendre ça pour la publique, pour mettre à dire dans le but d'aider les collectivités locales à travailler avec toutes les données nécessaires pour leurs zones à risque.
nous a déclaré hier matin, M. Bernou, les inondations sont la conséquence de la défaillance ou de l'inexistence des drains naturels ou construits. Et le rapport GUB apporte des solutions à ces problèmes majeurs auxquels est confrontée la population lors de grosses pluies à Sud-Sud. Nous, gouvernement, monsieur le ministre concerné, nous tu fais un rapport, et quand nous perdons le gouvernement, nous tu mettons l'argent, nous tu mettons Land Drainage Coordination Committee, gouvernement en 2005, ditch nous rapport, zété dans la poubelle, disband sa comité-là. Pas fini, donc ce rapport-là, zété dans le panier. Monsieur Doma, le Justice Doma, venait avec 2008 avec toute bonne recommandation. Qu'est-ce que le PCS a rapporté? Non, n'y est pas le fait. Alors, ce n'est pas une question de nous faire politique aujourd'hui. Nous outrer, nous indigner, nous révolter, mes camarades. Ça, on se dit, mon qui me mot là, tu es capable de la vie, tu es capable de pogner. Si ça va une recommandation là, tu mets en exécution. C'est le premier point qui vous tient de faire. Alors, la police, deuxième point. Malgré ce que le Premier ministre dit, il y a ça, beaucoup pour amuser. Beaucoup de Mauriciens sont assis dans cette mandat pour amuser. Moi, mon SMS, je vais montrer avec vous. Je vais montrer des témoignages pour dire contre la police, faire la police connaître, nous ici, nous là-bas. Nous avons un témoignage personnel d'un paquet de camarades parmi nous. En vérité, la police est absent. Et je ne vais pas gagner le temps de dire ça. Moi, je t'écoute radio parce que depuis 1h30, on écoute radio, on rentre à casa, on après le groupe parlementaire. Un haut officier, mon papou nomli de la police, lui dire, lui sortir le sud, et que si pas l'est, il peut venir, lui tasser dans le trafic, parce que c'est le même responsable de l'intervention police, la police, il y a un high ranking officer, lui dire, il n'est pas fait capable de rentrer dans le pays. Je ne sais pas quand il finit la peine, il y a le travail, évidemment, mais il passe dans le pays. Et comme on dit, à là, pour nous, la police, c'est inexistante à ce jour-là. Si c'est une caméra, pas connaît qu'ils ont fait avec toutes les images de sécurité. Information Center, qui est un neuf center de la police, pas de communiquer, pas finir du tout communication. Et nous pensons, nous, ça finit, augmente pas grave. Et troisièmement, comme on expliqué, le Disaster Management Committee, aujourd'hui présidé par le commissaire de police, lui-même, il y en a 9 000, 10 000 hommes qui ont été. Lui, il y a un maillon dans la scène. L'Ibizan, l'Iden Emergency Crisis, à l'applique sur Standing Orders, c'est là où tu cites un Standing Orders, là, le Standing Order de la police, section 104, deal avec quand il y a un problème, flood, action by the police in the event of flood, Standing Order 134, pardon, 134. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Le commissaire de police, il aime l'Ibizan. Alors, get sur la force policière pour opérer sa zone là. C'est donc ban operating procedures dans les temps de crise, de désastre. Nous pas d'accord que le commissaire de police préside sa comité là. Et de toute façon, monsieur Justice Doma donne-nous raison. Nous espérons de ce qu'il vient dire. Tu veux dire passer un acteur panamé, mettre ça l'institution à Tibout, présidé par le secrétaire cabinet, avec tout un board. Et le chairman de vote du SECAB, Mopéal, c'est qui m'a demandé, mon papa invente la roue. Et parce que, mon camarade, le Premier ministre, il découvre la climate change aujourd'hui, tant mieux. Mais seulement, vous connaissez, climate change, flash flood, il existait de tout temps dans le pays. Mais seulement, c'est vrai, avec climate change, les plus fréquents, les plus intenses. Ben, flash flood là. Les plus fréquents, les plus intenses. Alors, à cause de ça, donc, il est important pour mettre ça dans une recommandation là, dit vite, vite, mes camarades. À n'importe qui jour. Là, moi, on a BBC hier, on ne peut pas faire ça. BBC prévoit down pouring dans nos régions là, vendredi. Allez, checker, mes camarades journalistes. Hier soir. Pas qu'on est qui va arriver. Donc, on est, ce qu'on peut dire, aujourd'hui, avec climate change, nous pouvons vivre dans une nouvelle ère. Tragédie de la nature, nous sommes arrivés pour plus intense, pour plus fréquent, à juste raison qui nous visait pas patiner pour ça, qui nous visait exécuter, qui nous visait arrêter de travailler avec du test aussi, qui nous visait implémenter un rapport qui depuis 2008 là, staring us in the eyes, quoi on le dit là. Et le Premier ministre va le faire ça, et ça, Disaster Management Committee là, c'est le prévu. Et nous revenons maintenant à la responsabilité du ministre Pichu. Fin des années de l'appui, là, pour nous. Pas qu'il n'y ait pas de mesure de la police. Je vous donne un exemple, là, le jour, il y a
dans 89-90, combien de millimètres la pluie nous gagnons. 5 fois, 6 fois, 10 fois plus ce que nous gagnons jour le 13 février et le samedi dernier. Petite chose qui provoque, qui occasionne, qui est responsable pour ce qui est arrivé samedi dernier. Et haine de ce genre de réseau. C'est vrai, nous ne pouvons pas empêcher la pluie tomber, nous ne pouvons pas empêcher la flash flood, nous ne pouvons pas empêcher la pluie tomber, downpour, malaverse, mais seulement nous sommes capables haine empêcher du monde sorti, du monde qui peut organiser d'autres week-ends, par exemple, de rayonner une fer, et ça, week-end là, mon camarade, pour déconner le week-end Pascal, et dans les courses, du monde qui a fait shopping, c'est la fin du mois, ce qui occasionne tout ça, du monde là, c'est l'enseignement aussi dans mon vie, et deuxièmement, nous tous bien prier, bon Dieu, pas tiens, vendredi. Pas tiens au travail, pas tiens au code fonctionnaire, code secteur privé qui travail, de salarié là pour dire là, des airs, trois airs, milliers de monde passent là. L'école, il n'y a pas combien d'école là.